J'ai plein de trucs. J'ai toutes les blettes, tout machin. Bon les amis, on est parti pour la baie. Dans un endroit de la baie que vous n'avez pas encore vu sur ma chaîne. Aujourd'hui on s'en va à l'avant avec Anto. Vous avez l'habitude maintenant de voir dans les vidéos. Donc on prend un chemin que j'ai pas l'habitude de prendre. Vous voyez, on passe devant toutes les huttes qui sont ici en bordure de digues. Donc c'est un très bel endroit. Ce soir les prévisions sont pas mauvaises du tout. Ça a été annoncé, beaucoup de chasseurs le savent. À partir d'aujourd'hui, un joli petit vent de nord-nord-est pour ce soir, et demain ça va partir pleine balle nord-est. Donc une bonne semaine pour les chasseurs. Pas rêver mieux hein, du nord-est pour aller à la hutte, y a rien de mieux, et surtout du froid qui est en train d'arriver avec des températures qui vont être négatives dans les jours qui arrivent, et ça va commencer à partir de cette nuit. Donc je suis très content. On a combien de temps de marche tantôt là? Oh bah là on a un bon 30 minutes. Là, pour l'instant ça va, c'est que du plat, c'est le long de la digue. Par contre après ça va se compliquer un peu. Ça va être un peu la transbaie je pense. Bah ouais, on va être où à peu près dans la baie? Bah là on va changer de secteur. La dernière fois on était en milieu de baie, là on va être carrément sur l'avant. Donc vraiment au bord de l'Oti qui nous sépare de la baie sud et la baie nord. Donc bah, vous allez voir, hein, c'est vraiment tout proche, qu'on peut pas être plus près. Tantôt c'est un peu dur là. Ouais. Ah, là c'est compliqué là. Là puis quand t'as un peu qu'il a plu, tout le temps. Tout le monde qui passe, on peut avoir mesure dessus. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, on est ici, on passe en plein dans la baie, on passe devant toutes les huttes afin de pouvoir aller jusqu'à l'avant. Il y a un petit peu de vent, ça va encore, on n'est pas à plane non plus. Donc je suis content, vous pouvez voir, on est en plein dans la baie, il y a des huttes tout autour de nous, vous pouvez voir, et là on va aller jusqu'à l'avant. On marche. Bon, les amis, un peu compliqué pour marcher, vous pouvez voir. Attendez, là ça va encore, je vais vous montrer, attendez. Voir que des chemins comme ça, moi ça va encore, mais c'est surtout pour Anto avec la charrette. Bon Anto, on arrive, c'est dur, ouais, enfin ça c'est la transbée, hein. Ah ouais, tu le mérites, arrêtez le canard, hein. Ouais, j'allais te le dire. Carrément. Ah là là, la flaque elle est où? Elle est juste là, ouais, tu m'as dit, ouais. Juste là bas voilà, on y arrive dans 2 minutes, on y est. Tu fais une bredouille le matin, je peux te dire que t'es démoralisé. Carrément. Quand attaché, première pause. Qu'est-ce qui s'est passé là? Elle est belle. Bon écoute, quand on est arrivé, il y avait une sarcelle posée. Bon bah. Comme ça, Coco, t'avais qu'à charger ton fusil aussi là. Putain. Ça veut dire qu'il est débordant. T'es encore là. Il va à bon port, ça y est. Oh, enfin. Je suis rincé là, ça y est. Coucou, il va bléter, il va attacher. Il va tout faire. Un peu plus. Bon, comment tu vas la jouer ce soir Anto, avec le vent? Voilà, vent de nord, on va avoir un peu le vent dans la tête.
va pas faire chaud. Donc bon écoute, on va essayer de se faire rentrer un peu le gibier, ça va pas être notre vent favorable, mais bon, on va essayer, hein. Il y a quand même moyen. J'ai fait des belles petites nuits quand même en vent de nord. Donc on verra bien. Bon, c'est un autre système. C'est quoi le système, tu peux m'expliquer? Bon, c'est une corde avec, avec plusieurs plateaux dessus. Tu prends un bout d'un côté et un de l'autre. Et bien souvent tu en as deux ou trois dessus. Donc bon, c'est tout aussi bien. Après ici, c'est l'avantage, c'est que elle prend moins de vagues contrairement à là-bas chez nous. Là-bas, c'est, ouais. T'as vu la différence, c'est quand même énorme. Donc bon, c'est tout aussi bien, c'est pas plus mal. C'est mieux ça que des plateaux fixes, tu vois. Le mannequin de la baie va-t-il encore frapper? Alors là, ça dépend si Coco il a mis ses chaussettes. Je sais pas. Mais je crois qu'en plus il t'en a ramené parce que t'as dit la dernière fois que. Ah bah obligé, hein. Sinon tant pis, il rentre pas dans la hutte. C'est pas chaud, hein? Oh non. Je vais l'attacher, comme ça on va aller faire un petit tour devant après. Profiter un petit peu. Je vais mettre mes mains un peu dans mes poches. Une chose piquette là. Les mecs, je vais mettre celle à droite, je mettrai les 6 gibiers, puis après on ira mettre les maillards à peau et puis ouais, t'en mettras une là-bas derrière et puis une sur le pneu là-bas, ouais. Je vais te passer, je vais te les passer tout de suite. Ouais, je vais te le dire. Attends. Bonjour, j'ai une bague orange. Ouais. Celle là-bas au bout, ouais. Que t'as mis le pneu là. Ouais, celle de ta gueule, ouais. Celle de gauche. Et celle-là sur le bas. Ok. Ça va aller. Ouais. Oublie pas la vague orange en haut. Hein. Bon, c'est parti, ça y est. Bah ouais, on va aller mettre ça. Comme si, je sais pas, on va mettre nos mains dans nos poches. Hein. Ça pique quand même. Thank you.
Voilà les gars, endroit superbe. Ça change vraiment d'habitude d'être à l'avant. C'est vraiment superbe. Et c'est la deuxième fois, moi, personnellement, que je viens à l'avant. J'étais venu une première fois à la hutte pédagogique. Une vidéo qui va sortir prochainement. Voilà, je la garde un peu pour moi, pour vous aussi. Quoi que vous vous ennuyez pendant la fermeture, vous ayez un petit peu de vidéo à regarder. Donc je vous la garde, je vous l'ai mis de côté pour pouvoir vous la sortir pendant cette fermeture. Et puis voilà, mais en tout cas, oh là là, qu'est-ce que c'est beau, la baie d'Oti à l'avant comme ça, c'est... Corentin, t'en penses quoi de l'avant, ici où est-ce qu'on est là, en B? Bah, ça fait la deuxième fois qu'on y va pour m'entendre, ça fait la deuxième fois. On avait été à la 42. Mais là c'est encore plus beau, franchement le paysage, même l'eau. Ouais, c'est vrai que l'eau, elle est bleue. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, l'eau est bleue. Et avec les... Vous pouvez voir le soleil, c'est un truc de fou, c'est trop trop beau. C'est trop beau. Vraiment c'est trop beau. Et c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, on s'est regardé, on a dit l'eau elle est bleue. L'eau elle est bleue et ouais c'est un truc de fou, c'est vraiment beau. On verra ce soir, il y a pas mal de gibier en ce moment qui traîne. Le vent souffle, et puis il fait froid, il commence à faire froid. Donc, que du bon. Du corps, hein. Satisfait? Ouais, ça a l'air pas trop mal. Ça a l'air pas trop mal. Pas trop l'habitude en vendant, mais bon. On verra bien. Essayez pour savoir. Hein. Ça. Hein, Coco, ouais, c'est ça ou quoi? La dernière fois que je t'ai dit ça, ça va porter chance. Ah putain. Où est-ce qu'on va là, en tout? Bah là, on va aller juste devant la mare. Donc, vraiment en ras de l'Oti, quoi. Pas de plus près là. Salut tout le monde, c'est Romain. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec Anto et Corentin. Anto, où est-ce qu'on est encore une fois aujourd'hui? Toujours en Médoti, sur un autre secteur. Donc là on est vraiment sur l'avant, hein, comme tu le voir, on est vraiment au bord de l'Oti, quoi. Donc un autre secteur et voilà. Voilà, on est ici complètement à l'avant, comme Anto l'a dit. La mare est juste ici et l'Oti juste ici. Il y a une dizaine de mètres qui séparent les deux. Donc non, franchement, c'est super. Ça change de là où est-ce qu'on avait été la première fois avec toi. C'est pas du tout pareil. Et ouais, c'est vraiment magnifique. En plus, on a un bon petit vent ce soir. Comment tu le sens là pour ce soir? Bah écoute, toute la semaine il y a eu du gibier, il s'en est vu pas trop mal, donc il y en a toujours dans le secteur, donc je pense qu'il y a quand même moyen de au moins sauver le capot, on verra bien, après c'est du tout ou rien. Hein. C'est ça, c'est la chasse. Il y aller pour savoir, comme dirait l'autre. C'est ça, donc voilà, on verra pour la nuit, il y a Valentin qui doit nous rejoindre aussi après dans la soirée, et puis voilà, on espère voir du gibier ce soir, en tout cas les conditions sont réunies pour, et puis on vous dit à tout à l'heure, salut. Là, on est vraiment dans l'Oti là. On est vraiment dedans. Là, on est dans l'Oti. La baie est juste là. Et voilà quoi, la hutte est juste derrière. Quand t'as démarré, tout ça, ça se remplit. Tout ça, c'est en eau. Ici, souvent, on peut voir beaucoup de limicoles aussi quand on descend sur les sables comme mal, ça. Ouais, on voit beaucoup de petits gibiers sur les sables. Après, ils sont un peu plus par là. Ça dépend. Il va tenter je sais pas quoi lui. Allez plouf. Voilà la mare. Très très belle mare les gars. Un joli petit plan d'eau
super sympa. Avec vraiment, comme on vous l'a dit, vraiment une petite berge ici qui sépare entre nous et l'Oti. Bon là la marée descend et ce soir elle va monter. Donc ça va vraiment être en eau partout partout. Ça va être super, on va commencer à rentrer parce que le soleil est en train de se coucher. Donc voilà, il est temps d'aller faire la passée. Et puis on croise les doigts pour voir un peu de gibier. C'est parti. Tu nous fais ton petit système système D. Ouais, c'est un petit Lego. On pourra se mettre tranquillement. Petite planche. Ok. Oh. Ça, tu peux te mettre au milieu, puis on sera à 4 devant. Tranquille, ce sera bien. Puis après, voir. Bon. Plus corps, hein. Pas de ta deuxième hutte là, où tu chasses. Ouais, deuxième où je chasse le samedi, ouais. Et puis, on a encore une hutte où je vais le lundi. Et là, c'est encore un autre truc différent. Bon, on va faire la volée. Ouais, allez, en route. C'est parti. Okay. Bon, Anto, c'est parti pour la volée là. Bah ouais, on va mettre en route tout doucement. On va voir le vent en plein de face. C'est le cahier. Quentin, j'ai vu que tu avais ramené un petit quelque chose pour notre ami Anto. Qu'est-ce que tu as ramené de beau? Là, des chaussettes, hein, comme on avait dit dans l'ancienne vidéo. Mais... Alors pourquoi? Parce que pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, on avait dit... Parce qu'en fait, il avait critiqué tes chaussettes. Ouais. Il avait dit, ah ouais, c'est quoi tes chaussettes? Je vais fermer ma gueule. Et voilà, il avait dit, si on fait des canards, si on fait une belle nuit avec ces chaussettes, et ben, je m'en achète. Et du coup, Quentin lui en a acheté... Des belles petites chaussettes, t'es content? Tu veux que je mette 5 ans, moi? Sérieusement, tu veux que je mette 5 ans, moi? T'es content? Ouais, je suis trop favoreux, là. Quand elle arrive, c'est top, quoi. Et voilà, ah, top. T'as plus qu'à les mettre si tu veux faire des belles nuits. Non, t'inquiète, j'ai pas besoin de ça. Merci pour les chaussettes, Coco, ça... Ça me fait plaisir. Attends, la hutte. Oh. Ça me fait plaisir. Oh ouais, il était bien. Avec toi qui nous a rejoint, il est là. Bon les gars, prêts pour tuer du canard ou pas? Bon ouais, on va se mettre bien avant de se mettre aux trappes. Ton avis, ça va commencer vers quelle heure là? 22h30 moi je dis. 22h30 près, ouais. Quelle heure il est là? Ouais, 21h17. Quentin, quelle heure c'est pour toi? Moi j'écoute le chef. Hein. Et toi Val? Oh, je vais dire 23h30. 23h30, allez c'est parti. Il se repose pas au grand ça. Il est parti à gauche. Bon, on attrape à gauche, il bosse. Putain, c'est la merde. Avec la pochette de mon drone là, putain. Désolé.
Yo. Il est reposé, vas-y, vas-y. Tu l'as ? Il l'a placé à quelle là-bas ? C'est brouillé mort. Non, 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 tire, tire. C'est brouillé mort, séché. Ah, c'est cool lui ! Bon, toi ! Qu'est-ce qui s'est passé, gros ? Bah, coucou, il a voulu regarder vite fait là, sur la petite attaque. Et puis il a dit poser, poser, c'était renvolé au final. Il avait reposé à droite. Et puis bah, on pouvait pas tirer, c'était posé avec, avec la ligne, donc c'était compliqué. Et puis du coup on a attendu, il s'est renvolé, puis il s'est posé là à 20 mètres. Quoi. Donc capot ouais. Sauvé quoi. On attend qu'il dérive pour aller le chercher ouais, tranquillement. Et puis, voilà. On va finir ça tranquillement, puis on va aller chercher. On n'est pas bredouille en tout cas. C'est ça. On n'est pas bredouille. Et t'avais dit quelle heure ? Attends, on avait dit quelle heure déjà ? Ah ouais, moi j'avais je pense qu'on est tous, tous après. 22h je crois. Ouais, ouais. 21h30 il est. Ouais. Ouais pas longtemps il est. Bon, impeccable là. Bon, tout pas bredouille. Bah ouais, impeccable hein. Petite canne. Elle est belle hein. Une belle petite canne. Impeccable. Les yeux ouverts. Ça veut dire quoi les yeux ouverts déjà ? Bah normalement c'est que c'est un signe qu'on va en revoir hein. J'espère en tout cas. Et voilà. Pas capot les gars. Bon, petit report en vitesse puis après... En chasse. Ah ouais, parce qu'on s'énerve un petit peu apparemment, donc on va aller voir ça. Hein. Allez, c'est parti, on mange. On les entend, on les entend. Elles sont au-dessus, elles sont au-dessus. Écoute. Allez, on va. Attends, mais tu filmes, coucou, tu filmes. Tu filmes là ? Ouais. Ah, sur le tas. C'est vrai. Je vais partager dans la gauche. Petit repas furtif, qu'est-ce qui s'est passé là ? Brièvement. J'ai entendu une petite pétarade, du coup j'ai voulu aller voir avec les thermiques et puis au final bah, j'ai pas vu ce que c'était mais on a vu qu'il y avait un beau petit paquet de 25-30 rayos là. Puis ça commence à tirer un peu à droite à gauche donc là, ça commence vraiment à tirer partout. Après moi ouais. J'en ai filmé 4 qui me sont passés juste ouais. Au-dessus quand j'étais aussi ouais. Dehors. Voilà, là ça coupe un peu l'appétit là. Hein. Ouais plus trop faim là, on a envie de se miser. Alors on va vite manger, vite finir de manger et puis Ouais. Et puis go parce que là ça commence à débouler ça. Ouais, là ça commence à bien tirer. Allez c'est parti les gars, parti. C'est là où il y a les deux blettes, toi. Non, non, c'est pas deux blettes. C'est... S'ils sont dans les deux blettes, lui, faut qu'ils prennent celui dans les deux blettes. Dépêche-toi, coco. Tu prends la ligne, tu prends la gauche de la ligne. 15 mètres à gauche. Ouais, c'est marché. Tu prends celui de gauche, toi. J'ai celui dans les blettes. Ouais, j'ai celui de gauche. C'est bon. Ouais. Tu y es? Ouais. T'es prêt? Ouais. Un, deux. Le chien, il renvole quand t'as. Il repose le chien. Il repose derrière. Attends. Le tien il est là, Quentin. Oui. Là, 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 là. Regarde où je pointe du doigt. Viens, dire pose. Pose. Devant les blettes. Il repose où ? Tu vas voir, Quentin balaye, tu vas le voir. À la fin du paquet d'eau qui est en face, sur la gauche. Tu vas le voir. Un peu plus vers nous.
Voilà. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Ah. Oh, il renvole. Il renvole direct. T'es en dessous, quand tu tires un peu après, je crois. Bon, c'est pas grave, le 2 sur ce principe. Quoi. Impeccable. De mal ? De mal, ouais. Impeccable. Deux jeunes. Ils sont beaux, hein. Ouais, déjà mal. Ah, ils sont jeunes. Ouais, carrément. Ouais. Pour les yeux ouverts. Décaler un peu plus, attends. Décaler un peu plus. Hein? Bon, allez. À deux là-bas. Hein. Bon, je pense que c'est bon. Hein. Je la tire tout seul, sinon. Bon, vas-y, on est fait tirer. Bon, tu y es? Ouais. T'as pas l'air serein. Là, c'est vraiment addictif. Moi. Bon, vas-y, tiens, on verra bien. Bon, bon. Ouais. Prêt? Ouais. Un, deux. Aïe. Aïe? Ouais. La grosse. Elle est peut-être encore un petit peu droite. Ouais, elle est un petit peu plus droite. Elle est toujours un peu vivante. Ouais, ouais, elle a battu des ailes, les gars. Ouais. Je vais la retirer un coup. Tu veux le tirer avec toi ? Non, c'est bon. Ouf, t'es en plein dedans, gros. Non. Aussi, Oh là, t'es en plein dedans, gros. Voilà, raid. Ah ouais, bien. Ah ouais, bien. Ah ouais, la chef, t'as assuré, gros. Chef, t'es... Ouais, Dieu. Putain. Ok. Et là, t'es gros, t'es... Faut t'en plus, t'es dedans. Hein? Ah, putain. Ah, il est là, il part à gauche. Attends, j'ai le maillard, j'attends qu'il se décale. Mais moi, je peux pas, je suis vraiment avec le maillard. Encore mort. Ouais, encore mort. Il se barre à bordure là. Non, non, il part pas à bordure, il est sur place encore. Bon, il décollera pas. Oh là, la lumière vole. Je l'ai pas. Tu veux m'enfuser pour. C'est gros par contre. D'accord, bien c'est un coup tendu quand même le bâtard. Ouais, alors mets une botte gros sur eux. Non mais ils sont le maillard. Mais... Je crois pas où.
L'autre il est séché, Romain. Ouais, l'autre il est séché à droite. Il est parti se coller un peu à la berge. Ouais. Il est parti se coller à la berge. Il est toujours bien tendu. Merde, ouais, il est toujours bien tendu par contre. Hein. Ça va, là. Hein? Je vois plus là. Moi? Ouais. Il a pris la terre, mais ouais. Ah, les deux sont espacés, ils sont en bordure. T'as fait quoi de vidéo? Deux ou trois encore. Je suis obligé, sinon ça te faire des vidéos de 7 minutes. C'est beaucoup trop long. Ils se barrent pas? Non, ils sont là-bas. Oh, il y en a un, il démonte. Oh, il y en a un, il est parti dans l'outil, je crois. Il y en a un qui a sauté, il est parti dans l'outil. Il y en a un, il saute pour aller le chercher. Ça a l'air d'être bon, je crois. Il l'a? Ouais. Ouais, il l'a, c'est bon. C'est gros, par contre. C'est des siffleurs, quoi. Siffleurs? Ouais. Wesh, pourquoi ça fait pas... Il a les deux. Ouais, les deux, là, le troisième, il avance dessus. Hein. Troisième, tu sais, le petit. Plus à gauche, plus à gauche. Il cherche au bord. Encore, encore, encore. Ah, il l'a pas? Si, là, il y a les deux siffleurs, mais la sarcelle, il est en train de chercher. Ah. Elle est plus à sa droite, là, du coup. C'est câble. On les voit bien posés. Bon, tout. C'est calme. Ça dit quoi là? Ça dit que c'était super calme et puis là, deux poses en a rien de temps. Sarcelle en bordure et puis 2 sur 3 wagnes. C'est quoi, de mal? Ouais, ouais, de mal. Mal. Impeccable. Plus que de mal. Petite sarcelle en plus. C'est calme. Ouais, carrément. Petite sarcelle, c'est la petite cerise sur le gâteau. Hein. Ouais, ça réveille. Hein. Ouais, grave. Ça me plaise là. Puis câble. Allez, c'est parti. Il y a longtemps ou pas? Attends, il y a l'invasion, je peux le tirer à deux mains. Ouais, ouais, je le vois. C'est longtemps. Faut que c'est. J'ai du mal à le voir. Il se rapproche, il bouge vers la droite. C'est bon. Il part vers la droite. Il se rapproche, là, il rentre en fait. Vous le voyez ou pas? Il y a 5 mètres à gauche des deux blocs pièges, il rentre vers les blocs pièges. Il est pas méfiant, les gars. Il est pas méfiant, hein, tranquille. Ça va tout seul. Vous voyez ou pas? Ouais. Il est derrière les blocs pièges là. Derrière les blocs pièges. 10 mètres derrière. Vous voyez ou pas? 10 mètres derrière les deux blocs. Moi je l'ai. Là? Tu l'as, Coco? Non. Il est 10 mètres derrière les deux blocs pièges, Corentin. À droite. À droite, d'accord. Je vais mettre une TSS. Ouais. Ah oui, je l'ai. Tu le vois? Il est dans la berge aussi. Ouais. Il rentre bien, hein. Il se rapproche bien. Il se rapproche bien. T'as mis une TSS, voilà. Vas-y, tire-le si tu le vois. Non, vas-y. Il part à droite. Il rentre, les gars, tranquille. Moi, je tire avec mon épée ou quoi? Non, ça sert à rien, gros. Ça sert à rien. Je le vois pas, mais... Il est pas long, et entre les deux blés de piège, il a ligné. Il bouge plus, là? Non. Il bouge plus. Si, il bouge à gauche. Non, il bouge pas, là. T'es prêt, Val? Ouais. Un, deux... Ouais, vous y êtes. Ouais, c'est pas lié. Ok. Jeu clown. Hey, un pec. 7. Bon, retour. Tu peux descendre. On est sorti par le capot. Ouais, par le devant. Alors, on avait un petit peu d'idées là, on est content. Bah, écoute, on a eu assez pour se faire plaisir. Hein. Sac pose. Sac pose. On est en avant, on n'est pas les premiers servis. Je pense qu'elle est pas trop mal. Hein. Une belle petite pose en plus. On avait bien froid.
Ouais, par contre, ouais, le vent en pleine gueule là. Ouais, carrément. Et des fois, c'était un peu sévère. J'étais obligé de fermer les visées tellement que ça caillait. Mais là, là par contre, c'est vraiment beau. Oh, c'est carrément beau là. Magnifique là. Val, pas trop dur le réveil? Oh, un petit peu. Oh là là, je suis mort. Fatigué? Ouais. C'est dur d'enchaîner le foot et la hutte. Hein. Ouais, c'est dur, c'est pas évident. Je fais un chauffano. Pour ça, à 20 mètres. Nous, on est là comme des couilles. Ah, pas prêt. Bon les amis, après cette petite nuit assez mouvementée, pas mal de petites pauses à l'unité, on va chercher le dernier petit mal de sarcelle qu'on a tiré, qui s'est posé sur le matin, on a pris une petite attaque, on l'a entendu chanter. C'était une belle petite scène, et là je m'en vais le ramasser, je vais vous filmer ça, c'est parti. Il est là-bas les gars. Et c'est un beau petit coup. Oh là là, un petit clown. Oh les amis, un joli petit clown avec des belles petites couleurs d'hiver. Ça c'est super les gars. On va le prendre. Hop. Oh là 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 là, qu'il est beau. Qu'il est beau les gars. Oh là là. Et il est gros. Hein. Il est énorme. Il est énorme. Oh super. Super. Pour bien compléter la nuit, en plus j'en parlais tout à l'heure. Je disais, j'aimerais bien qu'on fasse un petit clown. Et le voilà, le voici, le voilà. Je suis bien content. Superbe endroit, les gars. Voilà. Encore une belle nuit ici. Bon Val, ah. Satisfait ou pas? Bah écoute, fait toujours plaisir. T'as pensé quoi de cette nuit, Coco? Elle était belle, hein? Elle était belle, ouais. T'as affiché les yeux, là, ou quoi? Ouais. Bah, franchement, c'est beau. On a eu plusieurs pauses, en plus, c'est ouais, ça qui est bien. Bien. C'est pas une seule pause, avec un gros nombre, c'est des petites pauses. Pause, c'est vrai que c'est bien. Franchement, on a eu le vol aussi, donc... Ouais, c'est grave bien, vraiment. C'est grave bien. Le biotope qui change aussi de quand on voit là-bas, c'est pas du tout pareil. Maintenant, on est face à la mer, hein, donc déjà, tu vois la mer monter et tout, c'est incroyable. Ouais, c'est vraiment beau. Même là, tu vois, le matin. Les couleurs, vous voyez à la caméra, les couleurs, c'est magnifique. Comme j'ai montré avec le drone, ouais, c'est exceptionnel, franchement, exceptionnel. Bien content, bien content. Maintenant, en place pour ce soir. Ouais. On croise les doigts, hein, Coco. Je suis malade, j'espère. Il est malade, on espère qu'il va être guéri par les canards. Bon, voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, ici en Bedotti, avec Anto, Val et Corentin, que vous avez l'habitude de voir maintenant. Une belle petite nuit. Anto, t'en as pensé quoi là de cette nuit? Bah écoute, je m'attendais pas à ça avec un vent de nord et puis au final, bah je pense qu'on s'en sort plutôt pas trop mal. Hein. Carrément. 5 pauses, 7 bêtes. Voilà. Non, franchement, on en a pris plein les yeux. En plus, on a eu pas mal de pauses à l'unité, ce qu'on n'avait pas trop eu quand on était venu la dernière fois. On a eu beaucoup de paquets.
Et là, plusieurs poses à unité et faire 7 comme ça, franchement, c'est top. Corda, t'es content? Ouais, mes premiers clowns, moi, en B, je suis content. Ouais, t'en as pas encore fait. Val, t'es content aussi? Ouais, ça fait toujours plaisir. Ouais, carrément. Bon, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie de vous filmer un maximum d'images avec mon drone que je viens d'acheter exprès pour les vidéos. J'espère que les images vous plairont avec le drone. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Salut.